Alors bonjour, je me présente Noëlle Marche, formatrice pour Remue Ménage. Alors, l'utilité des jeux de connaissances et jeux brise-glace dans un camp, c'est très simple. En fait, l'objectif, c'est vraiment de s'assurer que les moniteurs connaissent le nom de leur campeur et aussi que les enfants puissent apprendre à se connaître de façon ludique. Principalement, les jeux de brise-glace et de connaissances doivent se présenter les lundis matins à l'accueil de ton groupe. Et si possible, on le refait à chaque semaine dès qu'il y a un nouveau jeune, juste pour qu'ils se sentent impliqués et inclus assez rapidement. Je t'explique. Lorsque je te pointe, tu vas devoir te pencher et les deux personnes adversaires vont faire un combat de part. Dès que tu es éliminé, tu vas devoir t'asseoir. Calme-toi. C'était pas mal égal. Moi, j'ai un jeu que j'aime beaucoup utiliser pour briser la glace. C'est, en fait, on commence avec le traditionnel roche-papier-ciseau. L'objectif est simple. On demande aux jeunes de se placer en équipe de deux et de faire un combat roche-papier-ciseau. Lorsque la personne est éliminée, elle doit se placer derrière le gagnant et doit l'encourager en criant son nom le plus fort possible. Par la suite, on va constater, en fait, un combat entre deux grosses équipes et le gagnant va avoir la chance qu'on lui scande son nom le plus fort possible. Alors, le jeu Qui-est-ce est basé, en fait, c'est un jeu de connaissances basé sur le jeu de société Qui-est-ce. L'objectif est très simple. On demande aux jeunes de se placer en groupe, en ligne, à votre discrétion. Et le point principal, c'est de faire deviner une des personnes parmi le groupe. Alors, on choisit un volontaire pour sortir de la pièce. Et lorsque le volontaire revient, l'objectif est de poser des questions que l'on doit répondre par oui ou par non. Est-ce qu'il y a un chandail orange ce nom? Non! Alors, tu peux t'asseoir sur un chandail orange ou saumon, là, je vais te déterminer. OK, prochaine question! Est-ce qu'elle est cheveux bruns? Non! Alors, tu peux t'asseoir? Oui! Attention! Est-ce qu'elle a des lunettes? Non! Excellent! On fait la poussée! Le jeu Prout-Prout, c'est un classique des camps. En fait, l'objectif est vraiment simple. C'est tout simplement d'amener les jeunes à rire un petit peu, de les mettre dans une situation un petit peu embarrassante. On demande à chacun des jeunes d'aller choisir une autre personne. On se serre la main, on se présente un petit peu. Et par la suite, on doit faire une petite acrobatie là, qui demande à ce que l'on se retrouve en fait dos à dos. Et on fasse trois pas par l'avant et trois pas en arrière en disant Prout-Prout-Prout. Donc, si vous le faites, là, vous allez voir les jeunes vont se mettre à rire et ça crée un petit peu là, une ambiance vraiment agréable pour briser la glace.